Mesdames et messieurs, me voici près de vous pour vous donner un journal. L'humanité est en train de trembler de peur parce que le monde va mal. On est le nom plus et la star la plus cotée de la terre actuellement. Ce putain de coronavirus fait même faire du sport à ma maman. Au sommaire, la situation du Covid est principalement en RDC. On parlera des mesures de prévention, de la fausse information, de ses méfaits, des chiffres, des statistiques, du ratio des guérisons, mais aussi des décès. J'en ai entendu parler de la chloroquine et du vaccin qui serait en essai. Bref, je vous explique, nous sommes une république marre de toutes ces répliques. C'est pas le moment de se faire de pique. Les bilans s'alourdissent, cette maladie tue plus de 10 000, même en Italie, aux États-Unis. Et quelle ironie, même l'Amérique n'est plus à l'abri. Donc, respectons les mesures pour ne pas en arriver là. Ma soeur, voici l'occasion de passer la journée devant telenovelas. Ne sortir que quand c'est nécessaire, c'est saluant, plus de mains on ne se sert. Éternuer dans le coude, faire attention aux intox et aux petits connaisseurs. Plus de 200 cas au Congo, notamment à Bukavu et à Kin. Certains à Goma, en Ituri et à Beni, nos vies ne sont plus jamais acquises. Une dizaine de guéris, voilà la plus bonne nouvelle ce matin dans mon pays. Mais la question principale qui se pose, c'est par rapport au vaccin qui s'imposerait aux populations africaines comme cobayes reporters, qu'est-ce que la rue en penserait? Ayant interviewé plusieurs habitants dans les rues de Goma, ils pensent que les vaccins en soi n'est pas un souci. Surtout que depuis plusieurs années, il y a eu des épidémies et des virus sur le continent noir. Et les Africains ont toujours été réceptifs face à ces vaccins. Mais ce qui reste le plus grand problème, reste les essais cliniques qui se feraient sur ces Africains. Mesdames et messieurs, concitoyens, nous voici à la fin de ce journal. La vie est comme une flûte et la vérité se trouve toujours au bout du canal. Zik Plus à la réalisation, NNP était à la production, sous l'initiative des jeunes de Goma actifs et de ses multiples actions. Respectons les mesures et depuis nos maisons, suivons l'actualité du pays. Peut-être que cette fois on saura un peu plus sur l'affaire des 15 millions et du programme des 100 jours.